Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Festival du premier roman et des littératures contemporaines de cette année, qui est le 30e, et qui reprend après un épisode assez traumatisant pour tout le monde. Et nous voilà réunis dans la joie et dans la perspective de partager des moments de rencontres comme celle-ci. Et on commence avec une rencontre, un grand entretien avec le parrain de cette édition du festival, j'ai nommé Wilfried Nsondé, que vous connaissez toutes et tous. Bienvenue. Merci Yaya. Marhaban Bik. Écrivain, parrain de cette édition, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont plusieurs romans publiés aux éditions Actes Sud, notamment Le cœur des enfants léopards, qui a eu le prix des 5 continents de la francophonie, prix Senghor de la création littéraire, et d'autres encore, et pour lequel il est invité au Festival du premier roman et des littératures contemporaines à Laval en 2008. Le silence des esprits, Fleurs de béton, Berlinoise, et les deux romans, en dernier roman en date, Un océan, deux mers, trois continents, et Femmes du ciel et des tempêtes. Et tous ces romans sont ici. Vous pourrez tout à l'heure les acheter et les faire signer par Wilfried. Cet entretien est placé sous ce titre de La recherche du roman d'aventure. Mais auparavant, peut-être nous dire, Wilfried, comment l'écrivain construit son œuvre depuis ce premier roman, Le cœur des enfants léopards, qui avait fait sensation d'ailleurs, c'est-à-dire dans le monde littéraire, qui a été très 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 bien accueilli, plusieurs prix littéraires, et qui nous parlait d'une situation très particulière de ces enfants soldats. Peut-être nous dire un peu ce cheminement depuis ce premier roman jusqu'à aujourd'hui. Comment l'écrivain aborde son travail d'écriture depuis son premier roman et comment il va évoluer, comment il va affiner peut-être sa langue, mais aussi ces interrogations. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous, hein. Merci d'être là si tôt le matin, parce qu'en plus il ne pleut pas à Laval, ce qui est rare, n'est-ce pas? Donc, merci d'être là pour la littérature. Alors comment on construit, comment je construis mon œuvre? Alors j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que je suis entré en littérature par hasard presque, parce que c'était pas prévu. J'ai eu la chance d'avoir écrit des nouvelles qui ont été lues par une amie, qui les a fait lire à son père, qui les a appréciées, qui les a envoyées aux éditions Actes Sud, qui m'ont demandé un roman. Voilà, donc je l'ai écrit en toute insouciance, me disant qu'ils ne publieraient jamais. Ils l'ont fait, voilà, et c'est un, comme tu l'as dit, c'est un roman qui a eu du succès. Donc tout s'est enchaîné finalement très simplement, et je continue à aborder, entre guillemets, mon œuvre de manière ludique presque. Voilà, j'ai à cœur d'explorer les sujets, de varier les cadres. J'écris des romans, mais aussi j'écris, en juillet, je publierai mon deuxième beau livre, donc photos et textes. Je suis en train de revisiter pour l'Opéra de Caen un livret de charpentier. Voilà, je m'amuse, j'ai la chance qu'on me propose des projets divers et variés. Et ce qui me guide, moi, c'est vraiment de prendre plaisir. Je parlais ce matin à Marine, qui est l'une des primo-romancières. Je disais que voilà, ce qui me motive, parce que c'est la chance d'être sollicité, de rencontrer du public, ce qui me motive, c'est les instants où je sens qu'il y a de l'émotion en partage. Voilà, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'addiction, parce que c'est merveilleux d'avoir cet instant où tu as une lectrice, un lecteur qui te dit oui, j'ai lu le livre et ce passage-là m'a touché, m'a fait pleurer, m'a fait peur. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est magique, qui est de l'ordre de l'échange. Voilà. Et ce qui me guide, moi, c'est ça, je crois. Ouais, c'est,
C'est vraiment de l'amour en partage, de l'émotion en partage. Bien, on va commencer par ce que je considère comme étant une première ouverture dans ton œuvre, c'est l'urbanité, avec Fleurs de béton, avec Berlinoise. Il y a un intérêt là pour la cité urbaine et la vie dans la cité, hein, de manière très différente, les deux d'ailleurs. Mais en même temps, c'était vraiment très, très clair. C'est le destin d'êtres qui sont pris par les raies d'une histoire, hein, que ce soit Fleur des bétons, hein, où l'histoire se passe au cœur d'une cité, la cité des 6000, ou alors Berlinoise, c'est au pied du mur de Berlin à l'époque, au moment de la chute. Et donc, ce sont des personnages qui sont dans des villes et qui sont donc précisément coincés, bloqués. Et par la suite, il y aura quelque chose qui va changer, c'est le grand large. Comment se fait ? Bien entendu, ce sont les obsessions de l'écrivain, peut-être, mais en tout cas, comment se fait ce passage au niveau de la construction de l'œuvre, ce passage de la cité, des conditions de vie dans une ville, et après, c'est le grand large, l'appel du grand large. Oui, alors je pense qu'il y a, je grandis, j'ai pris confiance, voilà, le cœur des enfants, Léopard, ça se passe à Paris, ça se passe en périphérie de Paris, ce sont des espaces que je connais à peu près. donc j'inscrivais mon histoire dans des cadres que je connaissais, le silence des esprits, pareil, c'est un quartier, j'imagine un quartier qui ressemble beaucoup à Aulnay-sous-Bois dans le 93, où j'ai passé mes vacances de 8 à 18 ans. Certains vont à la plage, d'autres dans la cité. Et voilà, donc oui, j'ai commencé par ça, et oui, il a fallu que je gagne en confiance pour... voilà, pareil, Berlin, quand ça serait une histoire... autour du mur de Berlin, je connais quand même. Mais ensuite, oui, j'ai pris confiance dans ma plume, mais voilà, oui, je suis parti carrément. Alors, j'ai fait un tour au XVIIe siècle. Voilà, je me suis essayé au roman historique et voilà, j'ai eu le courage d'avoir comme personnage des papes, des rois, voilà. Des pirates, oui, il a fallu le temps. Oui, il y a aussi une question de maturation. Et j'ai eu la chance de commencer chez Actes Sud, où on m'a entouré, on m'a conseillé, on m'a parlé, on m'a donné le temps de gagner en confiance. Et donc, oui, et donc de sortir de cadres que je connaissais pour m'aventurer dans le passé. Femme du sel et des tempêtes, c'est presque de l'anticipation. On va y arriver. Hein, ouais, voilà. Donc voilà. Mais enfin, ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est que oui, il a le prochain roman à paraître, Héliosphéra d'amour et de plancton. Là, on est carrément dans l'océan et les personnages deviennent un bout de plastique, un plancton végétal et un plancton animal. Je m'amuse beaucoup et voilà, je sors je m'éloigne de plus en plus de ma zone de confort. Mais l'océan est déjà là avec un océan, deux mers, trois continents. Quand il y a cette En partant du fleuve Congo, d'ailleurs, toujours le fleuve Congo n'est pas très loin. Et on va à la conquête du monde, à la conquête du monde, non. On va comme exploiter pour la conquête du monde. On va, ça, c'est la question de l'esclavage qui est ici mise en scène. Et alors, je me permets de te couper. Au-delà de la question de l'esclavage, c'est la question de quel type de rapports humains voulons-nous entretenir. Ça peut être de la fraternité, ça peut être aussi de la domination, mais c'est un choix. C'est un choix que chacun doit faire, c'est un choix que chaque société doit faire. Au final, l'esclavage n'est qu'une modalité des relations humaines possibles. Voilà. Mais voilà ça me passionne, cette question-là. Mais c'est la même question, d'ailleurs, dans Femme du ciel et des tempêtes. C'est toujours cette question. Mais là, c'est le rapport à la nature, encore plus, qui est posé. Alors, si tu permets, je veux lire un extrait, le début du roman, qui met en place, disons, l'intrigue de ce roman. Les pluies diluviennes avaient cessé depuis plusieurs heures lorsque Noum
se décida à quitter sa tente. Il chaussa ses bottes de peau, revêtit son long manteau en cuir de renne et scruta l'horizon. À la course molle des nuages blancs qui s'invitaient dans la grisaille, il supposa que cette fois-ci, l'éclaircie perdurerait. Il était temps. Il inspira, puis sortit braver le ciel triste et bas, encore menaçant. Dès ses premiers pas à travers la plaine détrempée, le chaman ne se découragea pas, malgré la force des rafales du vent, refroidi d'avoir balayé la surface de l'océan arctique et celle des marais alentour. Il plissa le front, baissa la tête et, pour se galvaniser, murmura « Tout droit, cette fois sera la bonne ». Puis vaillant, Noum continua son chemin en allongeant le pas. Le mauvais temps des derniers jours l'avait retenu bien trop longtemps assis près du foyer de sa demeure, d'interminables heures passées à se morfondre, à attendre et à grelotter dans le clair obscur. Désormais, plus rien ne l'empêcherait d'aller se recueillir là-bas, au sommet de la butte. Cet extrait installe déjà l'histoire du texte. Hein. C'est Noum, ce chaman, qui va aller donc vers cette nature qu'il aime, qu'il connaît, et là, puis il y a les forces de la nature, et là on entre dans quelque chose où il y a ce rapport entre l'homme et la nature. Oui, l'encore, c'est... Alors, l'homme est dans la nature. Alors, les êtres humains se figurent qui sont à l'extérieur, qui auraient les humains et la nature. C'est complètement faux. Nous sommes des mammifères. Voilà, nous sommes... nous ne sommes pas plus importants que les autres êtres vivants. Voilà, la vraie question, me semble-t-il, encore une fois, c'est quelle relation voulons-nous tisser avec nos frères vivants. Voilà, jusqu'à maintenant, et c'est écrit dans le Coran comme dans la Bible, Dieu nous donne tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on considère que ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas. Mais c'est un choix. Voilà, le chaman, lui, qui est pétri de spiritualité, considère qu'il est un être vivant parmi les autres. Et donc, il ne doit pas prendre trop de place. La société industrielle considère que tout ce qui nous entoure est là pour qu'on s'en serve. C'est un choix. Voilà, chacun peut faire son choix. Le scientifique considère que ce qui entoure est un objet d'étude. Encore une fois, le chaman, lui, considère que, par exemple, on peut tisser des liens de fraternité avec un arbre. On peut écouter les pierres. On n'est pas obligé de les casser. Mais voilà. Mais donc, quand j'aborde ces questions-là, parce que je suis écrivain et pas, homme politique, je ne décide de rien. Voilà. Pour ça, c'est un roman d'aventure, c'est un roman choral, parce que je pense que chaque avis a droit d'être cité et d'être entendu. Ça ne peut pas être le tout industriel ou le tout spirituel. Peut-être trouver un peu plus de mesure dans tout ça. Alors, je lisais aussi exprès ce passage pour toucher du doigt, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un roman, dans tout roman, mais particulièrement dans le roman d'aventure, puisque tu en parles, c'est la question du rythme. On voit bien comment la construction est faite, avec Noum qui est là, qui attend depuis un certain nombre de jours, très lentement, que les choses viennent. Puis après, il va s'aventurer, il va y aller. Et au fur et à mesure du récit, le rythme est là, et ça augmente, ça monte. Et puis il y a aussi l'angoisse, il y a aussi des peurs. Il y a la nature qui se révèle parce qu'elle bouge, la nature est vivante. Et comment est-ce qu'il y a une différence dans le rythme quand on est dans un roman d'aventure et un roman plus différent, comme le récit historique ou autre? Alors, on en parlait un peu avec Madame la députée avant qu'on commence. La lecture, c'est important, nous semble-t-il, à nous en tout cas. Et moi, j'ai à cœur que la lectrice, le lecteur de mes romans prennent du plaisir. Voilà. Quelle que soit l'importance du sujet que j'aborde, l'importance que j'accorde au sujet que j'aborde, parce que parfois on croit que c'est important, mais en fait tout le monde s'en fout. Mais voilà, donc et plus le sujet me semble important, plus il faut que le vecteur soit agréable. Voilà. Le roman
d'aventure, en ce qui produit de la tension, en ce qui produit de l'émotion, en ce que quand c'est bien fait, ben, ça donne juste envie de tourner la page, donc de continuer à lire. Permet donc un accès plus facile, oui, plus facile dans le sujet que j'ai envie de lui proposer. Voilà. Donc le pari quand j'écris un roman, c'est qu'il y ait du plaisir dans la lecture et qu'au hasard, des pages, on se pose des questions, même importantes. Voilà. Et la littérature est très pratique pour ça, je trouve, parce que la littérature qui explore l'intériorité, quand tu travailles sur une forme comme le roman d'aventure, t'as quelque chose de visuel, t'as quelque chose de dynamique, mais l'intériorité demeure. Dans le passage que tu as lu là, c'est vraiment ça. Et pour ceux qui connaissent Zola, le début ressemble beaucoup à Germinal, parce que Zola est un maître de ça. Il te plante un cadre, il te met du dynamisme, mais en même temps, toute l'intériorité des personnages demeure. Et donc, le pari, c'est d'avoir tout ça en même temps. Mais il y a d'autres filiations, on va y arriver. Le roman d'aventure, donc, vraiment, tu le revendiques, tu en parles. Faisons un peu d'histoire rapidement. Il est né au milieu du 19e siècle avec la colonisation, avec la domination européenne du monde. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des récits sur des pays exotiques comme ça qu'on va raconter, et puis quelques portraits d'aventuriers, de voyageurs, de scientifiques. C'est beaucoup plus tard, au début du 20e siècle, qu'il va devenir peut-être autre chose avec des grands noms. Il me semble que ici, ce roman d'aventure vient renverser cette idée que nous avions du roman d'aventure du 19e siècle et du début du 20e, qu'il y a quelque chose de neuf qui vient d'un autre point de vue, un point de vue différent. Nous ne sommes plus dans la domination, bien entendu, mais nous sommes dans quelque chose qui construit. Oui, et puis moi, je propose d'autres personnages principaux. Voilà, les héros de mes romans ne sont pas les plus violents. Voilà, ils ne gagnent pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils tuent plus ou mieux. Au contraire, voilà, dans un océan de mer trois continents, c'est un candide. C'est quelqu'un de qui j'espère qu'il va gagner la paix par la paix. Parce qu'on en a un peu marre des gens qui se battent pour la paix. Ça commence mal, quand même. Voilà, donc oui, moi, oui, c'est des aventuriers, mais les moins violents possibles. Et les plus sensibles possibles aussi. Et ils sont très amoureux. Quand même. Ils sont plus amoureux que forts. Forts dans le sens de violents qui cassent tout, le meilleur, le plus beau. Voilà. Oui, dans ce sens-là, oui, il y a quand même un renversement. Il y a un renversement, mais en même temps, il y a les codes du roman d'aventure tel qu'il a existé toujours. C'est-à-dire qu'il y a la vraisemblance des personnages et la schématisation de quelques personnages, quand même. C'est le roman d'aventure, mais le renversement n'est que dans l'intention, en fait. Mais les codes du roman d'aventure sont là, sont les mêmes. Oui, oui, alors je sais. Quel personnage tu penses, Sergueï, qui on me dit souvent que c'est presque une caricature. Bon, on a vu quand même ce qui se passe en Russie. Ça ressemble quand même beaucoup au comportement de Sergueï. Et deux, voilà, c'est les personnages parfois peuvent paraître caricaturaux, mais c'est plus, comment dire, la société qui les crée, qui est caricaturale. Bon, on y reviendra peut-être après. Mais en termes de construction, à un moment donné, dans un roman d'aventure, c'est intéressant quand tu as une confrontation assez franche. Ça crée de la tension. On a envie de savoir comment est-ce que ça va se solutionner. Tu vois, oui, donc oui, il y a des...
je n'invente quand même pas le roman d'aventure. Bon, aussi, puisqu'on a Laval en entre nous, j'ai fait une formation à la FEMIS de scénariste. Donc voilà, surtout dans Femmes du sel et des tempêtes, qui est mon premier roman, c'est le post-FEMIS. Oui, j'applique des conceptions cinématographiques même. Alors, Sergueï ne me paraît pas caricaturé. Merci. Mais il me paraît, c'est-à-dire simplifié plutôt. Mais il y a d'autres personnages très intéressants, le scientifique, les deux. Oui, alors je reviens. Oui, alors Sergueï, dans le livre, c'est un industriel. C'est un ancien pauvre. Donc, qui a grandi dans une société capitaliste où on nous invite à devenir de moins en moins pauvres et pourquoi pas très riches. Et c'est assez simple, hein. C'est le monde où il y a des winners et des losers. C'est assez simple, hein. C'est un monde où la valeur se chiffre, c'est pas compliqué quand on ne sait pas en compte. C'est notre monde. C'est très simple. Où tu gagnes, où tu perds. Eh ben, ce monde-là produit des gens simples. Il ne produit pas que des mondes simples, puisqu'il y a Noum. Oui. Il y a Noum, le chaman. Et là, nous allons vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, ouvert, de beaucoup plus même, on va oser, peut-être un peu idéaliste, parce que cet homme est attaché à la terre et en même temps aux esprits. Et il y a quelque chose qui circule entre lui, un être humain, la nature et les esprits. Donc, ça contrebalance ces visages comme celui de Sergueï, comme celui de la jeune fille qui est avec lui. Donc, oui. C'est autre chose. Nous sommes dans une autre profondeur, là. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un livre. Si on n'était pas dans un livre, si on entendait parler de quelqu'un qui vit sous une tente de peau, tout seul, en Arctique, et qui écoute les pierres, on se dirait au secours. Ce que je veux dire, c'est qu'on côtoie beaucoup plus de Sergueï que de chaman, quand même. Sauf entrer dans un livre comme Femmes du sel et des tempêtes. Noum, c'est un chaman, c'est quelqu'un de très complexe. Mais on ne côtoie pas ces gens-là, ils nous font peur. Si ma fille me dit, tiens, je suis tombé amoureux d'un chaman qui vit sous une tente de peau près de l'océan Arctique, alors que si ma fille me dit, tiens, j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui gagne très bien sa vie, peut-être que je dirais, ouais, c'est pas mal. Enfin, non, mais tu vois, c'est que, voilà, c'est que dans la vraie vie, tout ça, la simplicité de l'entrepreneur est beaucoup plus apprécié que la complexité du chaman. Ne l'oublions pas quand même. D'accord. Alors, est-ce que quand tu es en train de maturer un texte ou t'en travailler ou pas encore, et tu sors d'un texte, tu rentres dans un autre, est-ce que volontairement tu te dis ça sera un roman d'aventure? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, parce que ça me plaît. Je prends du plaisir. Et on dirait que ça intéresse aussi les lectrices et les lecteurs, donc c'est bien. Mais voilà, mais je décline quand même, tu vois, donc encore une fois, parce que je suis en train de finir. Le prochain, c'est de l'aventure, mais de l'aventure du plancton. Enfin, c'était pas gagné, parce que le plancton, c'est microscopique, ça n'a pas de cerveau, ça vit dans l'eau, dans le noir, et ça ne se déplace même pas seul. Donc, là, les ressorts du roman d'aventure n'existent pas, donc il fallait les trouver. Ouais, voilà. Donc oui, c'est, ça me plaît, tu vois, d'essayer, enfin, de rester dans le roman d'aventure en termes de dynamisme, mais de le réinventer avec d'autres personnages, d'autres cadres. Voilà, mais est-ce que ça ne ressort pas tout cela, l'aventure et le récit réaliste et tout? De l'imaginaire, de la question de l'imaginaire de l'écrivain. Ah bah oui, non mais oui, ah bah oui, ça, oui. D'ailleurs, enfin, tu parles de réalisme. Moi, je n'y crois pas. Je pense que tout est imaginé, tout est rêvé.
Vraiment, vraiment, je le crois. Et c'est super. Et c'est beaucoup plus intéressant. Peut-être. Oui. Alors, d'ailleurs, oui, je coupe quand même, parce que donc j'ai passé du temps avec des scientifiques. Les scientifiques vous expliquent que Einstein et Newton ne comprennent que 4,8% de ce qui existe dans l'univers. Rien. 4, nous n'avons conscience en ce moment, mesdames et messieurs, que de 4,8% de ce qui est. Alors le reste, on l'aborde comment? Et le reste, c'est quand même beaucoup. Eh bien, on l'imagine. Voilà, donc ce qu'on peut imaginer, même en termes de volume, est beaucoup plus important que ce dont on a conscience. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les physiciens les plus réputés, les meilleurs, vous disent ça. Donc, en fait, ils ne comprennent rien. Nous non plus, ben nous, on l'imagine. Voilà. On imagine des personnages, du plancton qui tombe amoureux, tout ça. Et pourquoi pas? Et pareil, alors, dans l'océan, on ne connaît que 2% de ce qui existe dans l'océan. 2. Rien. Eh bien, on l'imagine, on le rêve, et c'est fantastique. Non? Alors, c'est dans ce roman, mais peut-être déjà c'était un peu dans le précédent, dans ce roman, il y a une place importante, essentielle, à deux éléments. Bien entendu, j'ai parlé de la nature, de cette préservation, et le propos de l'auteur, de l'écrivain, est fort à ce moment-là, sur la question de la nature, mais aussi du rapport à ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, certains appellent ça les esprits, d'autres appellent autrement, quelque chose qui dépasse l'humain. C'est à chaque fois, il me semble-t-il, que tu fais appel et à la nature et à cette transcendance, ce quelque chose qui nous échappe. Oui, ce quelque chose de poétique, d'évanescent qui est en nous, qui accompagne l'humanité depuis toujours. Oui, on l'appelle comme on veut, on l'appelle spiritualité, on l'appelle religion, on l'appelle métaphysique. Mais voilà, il y a quelque chose d'immatériel, une ressource importante, une ressource diffuse, une ressource d'interrogation qui est là, voilà, qui est là quelque part dans les 95% qu'on ne conscientise pas et qu'on oublie peut-être à l'heure de la société extrêmement matérialiste où encore une fois tout se compte, tout doit être prouvé, tout doit aller vite. Il faut être sûr. On n'a pas le droit de se tromper. Non, nous sommes plus profonds que ça, je pense. Voilà. Donc oui, je crois que si on veut, alors si on accepte le constat que l'humanité court à sa perte dans sa gestion de l'environnement, pour qu'on change ça, il faut qu'on en appelle à d'autres ressources. Et il faut qu'on se pose des questions. Et les réponses, c'est pas tiens, je roule à l'électricité ou je roule au diesel. Non, c'est plus profond que ça. Qu'est-ce que je fais de ma voiture ou comment est-ce que j'envisage ma mobilité? Tu vois, la spiritualité t'amène à ne pas simplement réfléchir sur le geste, mais sur le pourquoi du geste, sur ce qui précède le geste. Il ne s'agit pas de voiture, on s'en fout. Il s'agit de mobilité, pourquoi, comment. Et une fois qu'on s'est posé ces questions-là, les solutions sont plus profondes et plus pérennes. Mais si on passe à l'électrique et qu'en Suède, on rase des forêts entières pour construire des usines qui vont construire des voitures électriques, on ne s'en sort pas quand même. On est content sur le coup,
mais ça ne change rien. Or, il faut qu'on change. Tu vois ? Et pour changer, donc oui, on s'arrête à un moment donné, on se pose même la question de ce que nous sommes ou de ce que nous voulons devenir. Et la spiritualité, encore une fois, enfin, tout cet espace évanescent, mystérieux, nous invite à ça. Le roman se construit donc aussi et surtout autour de la recherche de cette sépulture d'une reine à la peau noire en Arctique. Pourquoi ? Pourquoi une reine à la peau noire dans l'Arctique ? Parce que là où il faut secouer ses certitudes, il faut vraiment les secouer. Et quand on s'intéresse à l'histoire de l'humanité, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Europe, on apprend vite que les Européens avaient la peau noire jusqu'à il y a 7000 ans. Donc, ils arrivent il y a 40 000 ans. Donc, sur 40 000 ans d'histoire, pendant 33 000 ans, les Européens avaient la peau noire. C'est pas mal de le savoir. En tout cas, ça raconte une autre histoire. Voilà. Ça, voilà. L'intéressant dans cette affaire-là, c'est ça. Et donc, je me suis dit, tiens, mais un autre ressort du roman d'aventure, si on découvre, alors parce qu'on a découvert l'ADN d'une femme qui avait vécu au Danemark il y a 8000 ans, et l'ADN qui m'ont peu dit qu'elle avait la peau noire, les yeux bleus et les cheveux bouclés. Voilà. Et je me suis dit, tiens, mais si on passait de l'ADN à une vraie personne, et qu'on l'a plantée encore plus au nord que le Danemark, que se passerait-il ? Et à partir de là, des scientifiques, des politiques, des industriels commencent d'abord à dire n'importe quoi, parce que quand ils la voient, ils disent « Ah, mais c'est une Africaine !» Ce qui est complètement stupide, puisqu'elle est en Europe, passons. Voilà. Mais donc, tu vois, il y a toute une série de mécanismes et de dynamismes qui se déclenchent sur cette découverte qui paraît improbable, mais qui en fait est carrément banale, puisque les Européens avaient la peau noire jusqu'à il y a 7000 ans. Oui. Certainement, mais il y a quelque chose qui dit que ce n'est pas sur cela qu'on base donc, l'avenir, puisque page 64, je cite l'écrivain, « La Terre ne se sauve pas à l'aune de l'apparition extraordinaire d'une réminiscence du passé ou d'autres manifestations spectaculaires. » Voilà, oui, oui. Alors, la Terre ne se sauve pas, parce que... Voilà. On s'est figuré qu'on pouvait la sauver ou la détruire. Non. Donc la Terre ne se sauve pas. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire dans ce passage-là, c'est que il faut que nous changions profondément. Et ce n'est pas avec du spectacle qu'on s'en sortira. Ce n'est pas avec des réponses rapides qu'on connaît. Il faut vraiment qu'on se mette en danger, mais en danger... je dirais mental. Il faut qu'on secoue tout ça. Voilà. Oui, oui. Et voilà, la modeste ambition de ce roman, outre le fait que ce soit un roman d'aventure, un roman choral, c'est d'introduire la spiritualité dans ce débat-là. Comment doit-on considérer ce qui nous entoure ? Doit-on, comme nous le faisons tous dans notre jardin, considérer que l'arbre que j'ai planté, c'est le mien, que l'herbe m'appartient et que j'en fais ce que je veux ? Peut-être pas. Est-ce qu'on veut toujours que la nature, ce qui nous entoure, soit conformé à nos besoins ? Une belle forêt avec des allées, on met même un peu des pierres, parce qu'autrement, on se salit les chaussures. Voilà, ce processus de tentative de soumettre ce qui nous entoure est très ancien. Donc, c'est très ancré en nous. On aime les chevaux, on leur monte sur le dos.
moyens, peut-être, je sais pas, ils sont peut-être pas faits pour ça. Enfin, tu vois, c'est et ce changement-là me semble nécessaire. Enfin, la réflexion qui amènera le changement me semble nécessaire, mais ça va pas être facile. De manière générale, dans ton écriture, et je n'ai pas dit au départ que tu étais musicien, mais je voulais garder ça pour maintenant. Tu es musicien, tu es chanteur, et tu as été sur beaucoup de scènes en France, en Allemagne, un peu partout. Et dans tous tes textes, même dans ces romans d'aventure ou les précédents, la musique est présente. Dans ce cas, même s'il n'y a pas d'instrument, la musique est présente par tous les mouvements de la terre, des éléments, de la respiration du chaman, chaque fois la musique est. Est-ce que je pense bien sûr que c'est ton travail, bien sûr, mais tu as besoin de la musique à chaque fois pour ton écriture. Oui, alors c'est encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Verlaine disait, pour les profs qui sont ici, de la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair. Quand même, il n'y a pas de prof ici. Voilà, oui, donc, oui, je dirais, ce n'est pas moi qui ai besoin de musique, c'est le texte qui a besoin de musique. Il faut que, oui, moi, je ne peux pas commencer à rédiger un texte sans régler la question de quelle musique doit avoir le texte. C'est fondamental. C'est primordial en termes de premier. Un texte, c'est avant tout une mélodie, un rythme. Une fois que j'ai trouvé ça, je suis en zone de confort. Ouais. Et voilà, les mots, on les entend. Quand je choisis un mot, je choisis un sens, mais aussi un son. Ouais, je travaille beaucoup la ponctuation parce que c'est là où je vais produire le rythme du texte. Et la littérature, encore une fois, est fantastique pour ça parce que tu peux la faire sonner. Tu vois, il y a du visuel, il y a du dynamisme, il y a du sens, mais il y a aussi du son. Et surtout dans des paysages comme la Sibérie, c'est amusant parce que tu entends le sifflement du vent quand il pleut sur un tchoum, sur les tentes en peau. La musique est là et j'avais envie de rendre ça. Tu vois, les odeurs aussi. Oui, j'adore le roman pour ça, enfin, le roman, la forme, parce que c'est une forme d'expression totale. Alors, tu parlais de musique, tu parlais de rythme, c'est ce qu'on appelle le style. Il y a la phrase qu'il faut poser précisément pour que tout cela surgisse, pour que le rythme surgisse et tout, la phrase. Et donc, laissons. Tu as besoin de poser cela en avant, mais il faut poser la phrase ensuite. C'est ce que tu fais à chaque fois. Et notamment, pardonne-moi de faire cette remarque, notamment dans ces deux derniers romans d'aventure, la phrase est posée, maîtrisée. Je voudrais citer Michel Debris qui disait que chaque phrase a deux pieds. Chaque fois, je peux citer n'importe quelle phrase, elle est sur ses deux pieds. Eh bien, c'est fou que tu cites Michel parce que je pensais à lui. En 2007, quand j'ai commencé ma tournée pour le prix des 5 continents de la francophonie, je me suis retrouvé coincé avec Michel Debris à Port-au-Prince. En attendant le festival, enfin, il y avait, bon, passons, on a passé 2 jours à l'hôtel et pendant ces 2 jours-là, il m'a parlé de la phrase. Je suis ému hein, parce qu'il est parti, Michel. Donc pardon. 10 secondes. Oui, donc, il me parlait de la phrase, ouais, de la poser. Et c'était drôle parce qu'il avait il arrivait, lui, en débat. On ne l'arrêtait jamais parce qu'il avait une technique de respirer au milieu de la phrase. C'est ce qui faisait qu'on ne pouvait pas le couper. C'est vrai. Et oui, et c'est lui, oui, je me rappelle beaucoup de ces 48 heures-là parce que Michel m'a non seulement parlé de la phrase, mais c'est lui qui m'a expliqué le roman. Tu vois, l'histoire du roman qui était un produit de la,
de la révolution industrielle et ainsi de suite, qui se conjugue au jeu. Donc c'est tous ces principes-là, je ne les ai jamais oubliés. Et c'est Schnauss qui m'expliquait, si tu veux être un écrivain, tu n'écris pas, tu réécris. Et donc oui, j'ai gardé ça, et la phrase, je la pose, et je la travaille, et je la cisaille, et voilà, c'est tout un processus pour qu'il y ait une rencontre de sens, de son et de rythme. Et il y a quelque chose d'autre dans ton travail et dans le texte qui m'impressionne personnellement, c'est cette idée que quand on lit un paragraphe, un chapitre, on ne le termine pas, ou alors même s'il est terminé, il nous semble à la lecture qu'il est terminé, en fait c'est dans le chapitre d'après qu'on le comprend. Il y a quelque chose de ce, chaque fois, ce saut que tu fais de manière imperceptible, qui n'est peut-être pas visible pour tout le monde, mais enfin, c'est une construction que je trouve étonnante, formidable, parce qu'on ne peut pas connaître ce qui se passe si on ne lit pas le deuxième chapitre. À chaque fois, c'est comme ça. C'est comme une reprise. Et chaque fois, jusqu'au bout. Oui, ben c'est l'un des ressorts de base du roman d'aventure. Tu cuts tôt pour que le lecteur tourne la page. Voilà. Parce que effectivement, c'est pas encore fini et la lectrice, le lecteur le sait et il veut que ça finisse et il va jusqu'au bout. Et pardonne-moi de citer encore Michel Debris, enfin de parler de Michel Debris. Michel Debris aussi Stevenson, c'est cette technique-là aussi. Oui. Chaque fois. Ben oui. Ça crée du dynamisme. C'est toute une science. Hein. Il faut en dire suffisamment, mais pas tout quand même. Et parfois même, le paragraphe d'après, tu vas carrément autre part. Et là, le lecteur devient fou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avance. On peut continuer longtemps comme ça, mais en même temps, il s'agit que vous profitiez de lui poser des questions éventuellement sur son travail, sur le dernier texte en date, puisqu'il est encore vivant, Wilfried, pour longtemps. On espère quand même. Et qu'il va, et que dans 35 ans, il reviendra avec un déambulateur, l'a-t-il dit. Et donc, femme du ciel et des tempêtes. Si... Voilà, la parole est à la salle pour 2-3 questions, si vous voulez bien. Avant qu'on clôture notre rencontre, puisque nous avons une heure. Oui ? Il y a un micro qui arrive là tout de suite. Comme ça, tout le monde peut entendre. Bonjour. J'aimerais que vous parliez de le rôle de la femme dans le livre « Fin des tempêtes et femmes ». Et deuxièmement, le rôle de la femme et des forces spirituelles ou de l'esprit ou naturel qui déclenchent le cataclysme du livre. Dans ce livre, alors c'est toujours extrêmement délicat pour un homme d'avoir des personnages féminins crédibles. Hein. C'est une prise de risque, bon, j'aime ça. J'avais envie, dans ce livre-là, d'accorder le plus de place possible aux femmes, considérant que quand même, dans nos sociétés du XXIe siècle, il y a un souci de déséquilibre en termes de place. Donc c'est important. Et oui, parce que souvent, quand on trouve des sépultures préhistoriques, c'est toujours des hommes. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, c'était important quand même qu'on trouve une femme qui, en plus, peut-être incarne quelque chose de mythique en termes d'espèce de mère, des origines. Voilà, c'est une figure de femme qui m'intéresse. J'avais aussi envie de rappeler, parce qu'il y a une prostituée, que c'est une triste réalité, mais une omniprésence hein, en termes de féminité. Voilà, c'est quelque chose que je trouve dérangeant pour nos sociétés. Qui est autant de prostituées, et c'est souvent des femmes, qu'on finit par oublier. Voilà, parce que c'est
ce sont des pratiques qui disent beaucoup sur ce que nous sommes au XXIe siècle. Par exemple, je rappelle ça. Et Cosima, c'est une figure féminine qui m'intéresse beaucoup aussi et que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est une femme qui se bat pour qu'on cesse de l'enfermer dans son corps. Voilà, c'est une médecin, c'est une scientifique et elle veut qu'on la reconnaisse en tant que telle. Et moi, j'ai envie de la soutenir dans cette démarche-là. Voilà. Ce qui ne l'empêche pas de tomber amoureuse. Il n'y a rien à voir. Voilà. Donc voilà, oui, les trois figures féminines que je propose. D'autres questions ou une intervention? Oui. Tu viens de dire que... Oui, pardon. Je vais essayer de formuler le plus clairement possible. Si je ne me trompe pas, tu viens de dire que ça t'embête beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de prostitution féminine. J'ai bien compris? Que les prostituées... Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me redire exactement ce que tu as dit pour que je ne fasse pas de mal interprétation? Non, mais c'est ça, enfin, oui. Oui, c'est ce que tu as dit, non? Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît? Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre d'avoir comprise ce que tu voulais dire. Il faut que tu lises le livre, Wana. Non, mais tu parlais de prostitution, en fait. Oui, donc là, je ne parle pas de ton livre, je parle de ton propos... qui disait, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de prostitution féminine, c'est bien ça? Dans nos sociétés. Oui, particulièrement féminine, oui. Voilà. Oui. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît, ton propos? Oui, tout à fait. Merci. Développer mon propos... c'est quelque chose qui... Alors, j'ai pris conscience... Alors, je vais être très... Quand je vais être très concret, j'habitais pendant 4 ans à la Goutte d'Or, donc le 18e à Paris. Et donc, au bas de mon immeuble, il y avait toujours 4-5 prostituées. De ma fenêtre de la rue des Poissonniers, j'ai mis 2 ans à comprendre qu'en fait, l'hôtel social qui est en face, ce n'était pas un hôtel social, c'était de la... C'était un hôtel de passe. Et donc, j'observais ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Je suis très naïf, hein, mais il y a quelque chose dans la transaction que je ne comprends pas. Et je n'avais pas l'impression que les prostituées étaient heureuses. Et je n'avais même pas l'impression que les clients aussi l'étaient. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Il y a des trucs que tu observes dans tes témoins qui t'échappent, qui te dérangent, mais je mentirais si je te disais que j'en sais plus que ça. Tu vois, j'ai découvert ça tard. Tu vois, enfin, la réalité m'est apparue tard et c'est et voilà. Et je n'ai pas vu de bonheur. Or, moi, je souhaite à chacun de vivre le bonheur. Ouais, pourquoi pas? D'autres questions? D'intervention? Non? Tu aurais quelque chose d'autre à dire ou je voudrais lire un extrait pour terminer. Un extrait, si permets, oui. De son linceul de glace et de boue, l'Africain de Sibérie souriante et sereine tranquillisa Noum qui s'inquiétait de savoir s'il avait su convaincre Laurent Joubert et si le soutien du scientifique français suffirait à empêcher la destruction de son territoire. Il se demandait surtout s'il interviendrait à temps. Forte de sa faculté à comprendre les âmes, elle rassura le vieil homme et lui dit qu'il pouvait regagner son logis, le cœur léger. Quoi qu'il advienne, lui murmura-t-elle, l'action de la nature s'inscrivait sur des temporalités très longues. Elle triompherait des présomptueux aveuglés par l'illusion de la posséder ou par la volonté de la servir. Cela, prévint-elle, courait à leur perte. La nature toute-puissante, avec son formidable désordre et ses lois insaisissables, finirait par s'imposer. Voilà un extrait
pour dire un peu l'intention de ce texte. Merci beaucoup, Yaya. On va arrêter là cet entretien avec Wilfried Sondé que vous allez retrouver tout au long de ce week-end et que vous pourrez retrouver tout de suite parce qu'il va signer son roman, ses romans que vous voudrez bien peut-être acquérir. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Merci Wilfried.